Alors le poste de capitaine sur le terrain, et puis pas que sur le terrain d'ailleurs, c'est la gestion globale du navire, du bateau, hein, donc la technique, l'organisation de la vie à bord, gestion de l'équipage, relations des scientifiques quand on est en station, relations des officiels quand on est en escale, et puis technique avec le sous-mécanicien, pont avec le second, et la sécurité et la navigation bien sûr. Alors le rôle du capitaine sur Terra avec le scientifique, avec le chef scientifique, c'est de réussir à faire ce qui était prévu. C'est-à-dire que souvent ils ont des idées de station, des lieux précis, et nous en fonction de la météo, on décide si c'est faisable ou pas. D'une part si on peut s'y rendre, c'était le cas dans la mer du Labrador par exemple, où c'était compliqué, si on peut s'y rendre, combien de temps on reste, et puis même arriver sur place si c'est encore faisable. C'est surtout une gestion, on va dire, météo. En accord avec ce qui est prévu de faire sur la carte, sur le papier, et ce qui est possible de faire en réalité. Donc au niveau de la navigation, bah, en fait, c'est lui qui tranche et qui prend la décision. Après, bien sûr, comme chacun a l'expérience à bord, on en parle beaucoup avec le second surtout. Voilà, on a des fichiers, on prend des fichiers presque ensemble, on regarde ensemble et puis on prend une décision ensemble, mais c'est quand même quelqu'un qui tranche. Ouais. C'est bien de toujours de façon de discuter, de savoir aussi écouter les autres, chacun son expérience, mais c'est quand même lui qui finit par décider. Globalement, en fait, le rôle du capitaine, c'est en plus de ce qu'on a déjà dit, la sécurité, la responsabilité, c'est aussi bien savoir gérer un équipage, donc être à l'écoute de l'équipage et du bateau, et puis essayer simplement de faire que tout ça soit cohérent et fluide pour tout le monde. Donc être à l'écoute du bateau, de l'équipage, anticiper à tous les niveaux, l'usure, la fatigue de certains, le mauvais temps. Et voilà, je crois que c'est un peu le côté le gros rôle du capitaine en fait au quotidien, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe en fait à bord, aussi bien humain que matériel, et puis de résoudre des problèmes.